compagnie d'un ami, d'un artiste, d'un humoriste. Il est là, mesdames et messieurs, John Rachid. Ouais ouais. Monsieur Rachid, ça va, est-ce que vous passez une excellente soirée en notre compagnie? Franchement, c'est gaulerie de ouf. C'est vrai? Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Non, mais vraiment. Vraiment, je conseille à tout le monde de venir ici, même quand t'as rien à faire. Pause, c'est vraiment bien. On a également Jean-Claude Van Damme. Bonsoir. Ça va, c'est Van Damme. C'est un plaisir d'être là ce soir. Je suis à la radio, j'ai un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des molécules d'eau dedans. Beaucoup les molécules. Ça va, mouche-toi un peu, t'as un truc. Comment t'es arrivé à faire des vidéos comme ça? Le résultat d'une vinyle, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est quoi ton parcours par exemple? Non, j'avais un Skyblog à l'époque. J'étais un jeune boutonneux, j'avais un Skyblog. Ouais, j'avais un Skyblog. Pourquoi tu me juges? J'étais jeune, j'avais 20 ans. Je savais pas ce qui se passait. Vas-y, il existe encore, balance. Non, j'ai tout effacé, t'inquiète pas. Et j'avais un Skyblog, j'ai balancé des vidéos pour mes potes sur Skyblog. D'accord. Et j'ai mis une vidéo sur la tectonique en 2007, je crois, un truc comme ça. Ah oui. C'est toi? Ouais, site internet. Ouais, genre, tu connais? Non, je connais. Voilà. J'étais sur Caramel. Et je l'ai mis sur Dailymotion et sur le Skyblog. Et le lendemain, je me suis levé, il y avait 100 000 vues. Et, et à l'époque, il y a 7 ans, pas de buzz comme maintenant, tu vois. Quand même. Et après 200 000 vues, et j'ai fait waouh, il se passe un que truc là. Et ça m'a donné envie de. Ouais, allô, ouais, comme ça, t'interviens. Je suis en train de raconter ma vie, t'interviens. Et John Rachid, c'est un surnom, c'est ça? Non, ma mère a décidé de m'appeler comme ça parce que pour se foutre de ma gueule toute ma vie. Non, ouais, je faisais une parodie de Dallas à l'époque et c'était Dallas du Bled. Et le perso s'appelait JR et j'ai transformé ça en John Rachid. Ah ouais, pas bête, futé. Deuxième intervention chelou, frère. À la troisième, tu sors, c'est terminé. Alors, John Rachid. Eh, tu sors, ça me rappelle un truc! C'est toi dans TPMP! Ouais, c'est moi. C'est toi? T'as vu? Je me rappelle! Non. Je te jure, quand j'ai vu la photo, j'ai fait « Ah, c'est lui dans TPMP !» Ouais, t'as vu. Hey. Apparemment, on a une question pour toi, John. Oui. Oui, il y a Felou sur le chat qui demande s'il y aura la suite de la vie de Karima. Eh bien, je crois que le succès veut que elle revienne. Ma mère, mais pas encore, pas tout de suite. Et j'ai déjà 2-3 trucs avant. Okay. Ah, mais elle risque de revenir parce qu'elle a mis ma mère, elle a pas d'ouni. Non, et là, il y a J'ai mal au rap là, qui arrive. C'est ça, vraiment, la plus grosse actu. Après 2-3 trucs, le film d'Oxmo, une série sur France 2, j'ai oublié. Oui. Shérif, une petite série où je suis dans 2 épisodes où je fais le méchant. D'accord. Parce que j'ai une tête de gangster. Non. Et d'humoriste. Mais attends, comme je suis comédien, je peux tout faire. Tu vois, je fais le dealer arabe, mais le flic est arabe. Donc, du coup, ça me dédouane et j'ai accepté. John Rachid, ça ferait quoi, Van Damme, dans une église? Pourquoi? C'est quoi ce... Je sais pas, comme ça. Bonsoir, je viens prier. Pourquoi? Parce que je suis Van Damme. Ah, bonsoir, c'est Van Damme. Ça fait plaisir. Attends, mais j'ai envie de taper des délires avec cette voix. Vas-y. Mais bien cher frère, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio VL. Nous allons demander de vous sortir vos chéquiers. Tous un par un. Car je suis amour. Tu es amour, Eric? Je suis amour. Nous sommes amour. 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 La vie de ma mère, c'est Karima. Tiens, d'ailleurs, en parlant de potins, tout ça, John Rachid, est-ce que tu as une copine? Tu vois, il a dit qu'il le gardait pour lui. Il le garde pour moi. Mais, voilà. Mais on veut savoir, nous. Enfin, Sarah veut savoir. Non, mais je sais qu'il en a pas. Je suis sûre qu'il en a pas. Mais n'importe quoi. Si arrête, t'as mis ta gueule, on sait que t'en as pas. Oula. Ah, par contre, t'aimes bien les casquettes? T'as un fétichisme de casquettes ou... Il y a un problème avec mes cheveux, donc j'en ai déjà parlé. Ah, t'as un problème capillaire. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je peux vous en reparler. Un jour, je suis allé dans un magasin d'hindous qui vendait des défrisants. J'ai voulu me défriser. Ah ouais. Pourquoi j'assumais pas mes cheveux? Il y avait des bouclettes, j'en avais marre. Ouais. Je suis allé dans un magasin d'hindous et j'ai pris la boîte avec Force 4, ouais, avec Lionel Richie sur la boîte. J'ai pris cette boîte, j'en ai mis 30 minutes. Et j'en ai mis 30 minutes, j'ai laissé reposer tranquille 30 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'ai pris une douche, j'ai mis ma main dans mes cheveux et ils sont tombés. Oh non. Vraiment. Ah ouais. Ils sont vraiment tombés et donc j'ai rasé et tout. Et du coup, depuis, ça a repoussé. Sauf que derrière, il y a 2 trous. Voilà. Alors, Gollum. Alias Gollum. Attention, je suis champion du monde. Triple ceinture noire d'imitation de Gollum. Attention, c'est choquant. C'est parti. Allez, c'est parti. Stupide, bitch, flou. Ça les abîme. Radio VL, nique sa mère. Oh, bonne soirée à Martine, les amis. Merci. Allez, je t'aime. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Eleanor Cole. Ouais, moi, je suis arrivé derrière, elle était là. Allez, il était en train d'appuyer sur tous les boutons. Ouais, il est ouf.